Je vais, pour une conférence grand public, vous dire ce que je dis souvent aux médecins à partir d'études scientifiques. Je voudrais qu'on cesse de considérer le public comme infantile et vous montrer à partir de quoi on prend nos décisions, d'où vient l'information. Et donc, je vais vous décrire en première partie de cette conférence les études qui viennent de la littérature scientifique pour comprendre les conclusions que je vais vous exprimer à la fin et avant le débat de 15 minutes environ de questions qu'on aura ensemble et qui, j'espère, répondront plus à vos questions personnelles. Donc, le thème, c'est consommation de protéines animales. En tête, la viande, je n'ai pas décrit les produits laitiers et les œufs. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose un peu sur les œufs, mais bon. Je me suis concentré surtout sur la viande, mais on pourra parler aussi des produits laitiers et des œufs si vous voulez. Donc, j'attaque en direct, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les consommations de viande et le diabète? En comparant 12 403 apparitions de diabète de type 2 et ce qu'on appelle des contrôles, c'est des témoins, vous voyez une grande cohorte, de la vaste cohorte européenne EPIC, c'est une étude pour laquelle vous et moi nous payons des impôts, parce que c'est une étude européenne. On observe une réduction du risque de diabète de type 2 avec l'augmentation de la consommation de végétaux, la réduction de la consommation de produits carnés transformés et la réduction de boissons sucrées et de sucres raffinés. Je ne sais pas si vous avez vu que la semaine dernière, l'OMS a fait une recommandation mondiale à tous les gouvernements de taxer les sucres rapides contre l'épidémie de surpoids. Bon, c'est une bonne nouvelle. Après, il va falloir que nous appuyions ce genre de recommandation parce que, comme vous le savez, il y a le poids des lobbies qui freinent énormément pour aboutir à ce genre de décision santé. Donc je vous ai mis chaque fois, comme je fais pour les professionnels, la référence scientifique, l'étude publiée qui est résumée ici. Chaque fois, ça sera comme ça pendant la partie de l'intervention. Cet effet de l'augmentation nette du diabète de type 2 par la consommation de viande et de produits laitiers, donc là, on voit l'apparition des produits laitiers, est attribué en grande partie à l'excès de leucine. Qu'est-ce que c'est que la leucine? C'est un acide aminé. Les acides aminés, ce sont des petites briquettes qui forment les protéines. Vous savez que les molécules les plus nobles avec les gènes, les acides nucléiques, c'est les protéines. Notre muscle, c'est les protéines. Tous les outils qui nous permettent de fonctionner sont des protéines. Et ces protéines sont composées de petites briquettes qu'on appelle les acides aminés. Alors, il y a un acide aminé qui est très abondant dans la viande, mais qu'on trouve aussi beaucoup dans les produits laitiers, et un végétal qui est moins bon que les autres de ce fait, le maïs, d'accord, stimule une voie pro-inflammatoire qui s'appelle mTOR. Donc mTOR, je dis un petit, ça paraît très technique, mais je vous explique. TOR, ça veut dire target, la cible, of rapamycine. Rapamycine. Qu'est-ce que c'est que rapamycine? Rapamycine est une molécule qui a été trouvée dans une bactérie de l'île de Pâques. Vous savez que l'île de Pâques, on l'appelle aussi rapanoui, d'où le terme de rapamycine. Et les chercheurs ont découvert qu'en donnant cette rapamycine à des animaux, ça réduisait leur inflammation et que ça allongeait leur durée de vie. Bon. Et de ce fait, on a découvert que cette voie mTOR est un chef d'orchestre de l'inflammation. Quand on active mTOR, on active pratiquement l'ensemble des voies inflammatoires. Or, vous savez probablement qu'il n'y a pas que des pathologies inflammatoires comme la maladie de Crohn ou la polyarthrite rhumatoïde. La plupart des pathologies qui nous affectent sont inflammatoires. Quand vous avez un rhume et que le nez coule et qu'il est rouge et qu'il est chaud, c'est de l'inflammation. Les pathologies cardiovasculaires sont inflammatoires. Il y a une grande partie du cancer qui est inflammatoire. La maladie d'Alzheimer, une grande partie qui est inflammatoire. L'inflammation est associée au vieillissement et à l'ensemble des pathologies liées au vieillissement. Quand on mange beaucoup de viande et de produits laitiers, on consomme beaucoup de leucine et ça a un effet inflammatoire. Les auteurs recommandent donc que l'on étudie les moyens de limiter ces quantités de leucine dans l'alimentation. Le truc est simple, il faut manger moins de viande et de produits laitiers et plus de végétaux. Fruits, légumes, viande et asthme. Donc, une autre pathologie, l'asthme, qui est embêtante, dans la cohorte d'enfants de deux villes grecques, Athènes et Thessalonique, donc cette étude qui s'appelle Isaac 2, comprenant 2023 enfants de 9 à 10 ans, la consommation d'une alimentation riche en antioxydants, donc c'est principalement la source des antioxydants, c'est surtout les fruits et légumes,
pauvre en viande, il n'y a pratiquement pas de vitamines dans les viandes, est associée à une réduction de l'incidence de l'asthme, donc la fréquence, de 13%. Rapport végétaux-viande et pathologie inflammatoire digestive. Une méta-analyse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse ? C'est bien quand il y a une étude qui met en avant quelque chose, d'accord ? Mais quand il y en a 10, 20, 30, c'est mieux, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand il y a eu, au bout d'un certain nombre d'années, on regarde dans la littérature toutes les études qui concernent, par exemple, le rapport entre pathologie inflammatoire et viande, d'accord ? Et on fait la synthèse de ces études. Donc, une méta-analyse, c'est la synthèse de l'ensemble des études sur le sujet publiées dans la littérature. Donc, une méta-analyse identifie comme facteur de risque de maladie de Crohn et de RCH. RCH, c'est la rectocolite hémorragique, hein, une autre maladie inflammatoire du tube digestif, des apports élevés en protéines animales, viande et poissons. Hein. Les poissons ont une meilleure image santé que la viande, mais malheureusement, dans le poisson, il y a aussi des problèmes. Pas toujours les bons acides aminés, et ils sont de plus en plus pollués, des apports élevés en acide gras oméga 6, des apports faibles en acide gras oméga 3, ça je pense que tout le monde sait ce que c'est. Une méta-analyse, une autre, donc de 19 études comprenant 1269 cas de maladie de Crohn et 1340 cas de rectocolite hémorragique et des contrôles, il faut toujours comparer à des gens sains, révèle que ceux qui consomment plus de viande et de graisse de tout type voient une augmentation de leur fréquence de pathologies digestives inflammatoires, alors que ceux qui consomment le plus de légumes, de fruits, de fibres voient une réduction de ce risque. Rapport végétaux-viande et cancer. Alors évidemment, cancer, c'est une maladie plus grave et plus embêtante qu'on aimerait bien éviter. Dans la cohorte Vitamine and Lifestyle, ça s'appelle Vital, on prend une très grande cohorte, hein, 30 797 femmes après la ménopause. On a plus de risques de cancer après la ménopause, hein, plus on avance en âge, plus à risque de ce cancer, âgées de 50 à 76 ans, est suivi sur une moyenne de 6,7 ans. Le risque de cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme, est réduit de 60% chez celles qui suivent au moins 5 des 10 recommandations issues de l'étude China Study. Alors, China Study, c'est une étude, vous avez entendu parler, certainement, qui a été la base ensuite de recommandations internationales comme celle du World Cancer Research Fund et de grandes institutions contre le cancer, où un chercheur qui s'appelle Campbell s'est aperçu que chez les femmes chinoises rurales, hein, qui consommaient très peu de viande pour les occasions festives, mais surtout beaucoup de végétaux, bon, mais dans une étude comme ça, il y a toujours plusieurs facteurs, hein, c'est des gens qui ont une activité physique intense, etc. On ne peut jamais tout expliquer par une seule chose. Elles ont des taux de cancer et d'autres pathologies très, très inférieurs, parmi les plus bas du monde. Bon. Alors, quelles sont ces 10 recommandations ? C'est contrôler le surpoids, limiter l'alcool, l'alcool comme petite consommation récréative mais pas comme consommation quantitative, réduire les viandes, on les retrouve, privilégier les végétaux, hein, on les retrouve, pratiquer régulièrement une activité physique. Bon, il y en a quelques autres, mais c'est les principales. Voici les références avec l'étude de Campbell, donc on voit ce taux de cancer du sein très très faible chez les Chinoises pour ces raisons. Le suivi de 57 841 hommes et femmes de la même cohorte une année de plus arrive à la conclusion que la mortalité par tous les cancers est réduite de 61%. Donc ce n'est pas seulement la fréquence, hein, c'est la mortalité évidemment, ce qui est encore plus intéressant. Chez ceux qui suivent au moins 5 recommandations par rapport à ceux qui n'en suivent aucune. Et que pour l'adoption de chacune des recommandations, la mortalité par cancer baisse de 10%. La vaste étude européenne EPIC, comprenant 347 237 hommes et femmes de 25 à 70 ans, montre que le suivi de 5 recommandations réduit de 37% le risque de cancer colorectal. Les 3 premiers cancers, c'est cancer du sein, cancer de la prostate et cancer colorectal, cancer digestif. Dans l'étude EPIC qui a porté sur 478 040 hommes et femmes recrutés dans 10 pays européens différents, le risque de cancer colorectal est un tiers plus élevé chez les sujets qui consomment régulièrement 2 portions ou plus de viande rouge et charcuterie par jour, par rapport à ceux qui mangent une portion ou moins par semaine. Et vous rappelez la polémique, hein, qui a eu lieu l'année dernière, le CIRC, qui est une émanation de l'OMS, qui a dit que la viande était un faible carcinogène et que les charcuteries, elles, étaient un carcinogène. Bon, ça a créé un débat terrible, où il y a eu
aussi de la désinformation qui a été diffusée. Mais bon, ce genre de statistiques, ce n'est pas nouveau, hein, si vous voulez, mais c'était la première fois qu'une institution aussi importante de référence faisait une affirmation aussi forte. Et évidemment, vous en doutez, il y a eu des réactions extrêmement violentes des éleveurs et des lobbies derrière. Donc, malheureusement, c'est que la constatation tirée de la lecture des études. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a des études qui s'accumulent toutes dans le même sens. Donc, le risque de cancer colorectal est selon les pays en relation directe avec les quantités de viande rouge consommées. Les champions du monde étant l'Australie, les Pays-Bas, le Canada et l'Italie, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Argentine. Le pays où il est moins fréquent, c'est échelonnant de la Chine aux Indes. Alors le Japon, c'est curieux, parce que comme vous le savez, le Japon n'a pas du tout une tradition de consommation de viande. Vraiment exceptionnelle, le fameux bœuf de Kobe, bon, c'est un produit de très grand luxe, qui normalement, les Japonais mangent surtout du poisson, hein, tout le monde sait ça, le sushi, etc. Comment ça se fait ? Ben, les pauvres, comme vous le savez, ils ont été un petit peu colonisés, je dirais entre guillemets, ce qui n'est pas tout à fait inexact, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisqu'ils ont perdu la guerre, et qu'ils ont été sous administration américaine, et que les États-Unis, leur rouleau compresseur marketing, a introduit l'alimentation à l'occidentale. Le résultat, c'est que le Japon, qui consommait très peu de viande, a connu une explosion de sa consommation de 700% depuis la fin de cette Deuxième Guerre, qui s'est associée à une montée de 400% de la fréquence des cancers colorectaux. Bon, et plein d'autres cancers de la prostate qui a explosé, bon, etc., etc. J'ai un autre exemple, j'ai écrit un livre, comme vous le savez peut-être, sur Okinawa, qui sont les îles d'extrême sud du Japon, où on enregistre la plus grande longévité au monde en bonne santé. Et là, les Américains ont été administrateurs d'Okinawa beaucoup plus longtemps, de 45 à 72, si je ne me trompe pas. Et là, ils ont tellement américanisé l'alimentation que la nouvelle génération, elle a une chute de l'espérance de vie en fonction de plus ils sont jeunes, plus ils meurent tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents voient mourir leurs enfants avant eux, parce que avec le renversement de l'alimentation, qui était traditionnelle et qui était bourrée de végétaux, de poissons, d'algues, de soja, etc., ils ont adopté une alimentation à l'américaine, occidentalisée, et les résultats, ben, c'est qu'ils ont un effondrement d'espérance de vie, une explosion du surpoids. Le Okinawa, qui était le département japonais qui avait le plus faible taux de tous en surpoids, en diabète, etc., est devenu celui qui en a le plus. C'est incroyable. On a le même phénomène en Crète, hein, où le modèle crétois, tout le monde est au courant, est un modèle de référence, mais il y a eu un renversement générationnel avec le même résultat. Dans l'étude EPIC, une consommation élevée de viande rouge est associée chez les femmes à une augmentation de 36% du cancer du rein, de 78% pour les viandes transformées. Pas de relation significative n'apparaissent ni chez les hommes, ni en relation avec les consommations de poissons ou de volailles. Le brillant chercheur français Denis Corpé, qui est à Toulouse, qui a confirmé le caractère carcinogène de la consommation de viande rouge sur les cancers colorectaux, est financé par les industriels de l'élevage pour trouver des solutions qui permettraient à en consommer en réduisant ce risque. Comme il estime que la présence de fer... Alors, le fer est un minéral dont on a besoin pour transporter l'oxygène dans l'hémoglobine. Tout le monde sait que si on manque de fer, on peut faire une anémie. Bon, il ne faut pas en manquer. Mais si on en a trop, par contre, le fer est un produit, un métal qui est très, très réactif. Il fait rouiller quand il est face à l'oxygène. Et dans le corps aussi. Le fer est un catalyseur d'oxydation dans notre corps, un pro-inflammatoire majeur, d'accord ? Et donc, l'excès de fer est un facteur considérable de risque de cancer, mais aussi de maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer, de Parkinson, de toutes les pathologies pratiquement associées à l'âge. Okay. Plus on a de fer, plus on a d'inflammation. Et c'est ce qui explique que les hommes, dans l'inconscient collectif, l'homme est chasseur, ils croient, dur comme fer, qu'elle veut dire, que le fer, ça rend fort, la viande... Ça donne de la force, et le résultat des courses, c'est que l'homme qui n'a pas de règles, mensuelles comme la femme, donc qui ne perd pas de fer par le sang menstruellement jusqu'à la ménopause, il a moins besoin de fer que la femme, et il mange plus de viande que la femme. D'accord ? Alors que la femme qui était cueilleuse
mange plus de végétaux naturellement, moins de viande, bon, alors que quand elle est enceinte, elle pourrait en avoir besoin de plus, mais enfin, c'est des paradoxes, tout ça. Mais le résultat des courses, c'est quoi? C'est que la femme qui perd du fer dans les règles, donc qui est protégée du fer par sa perte menstruelle jusqu'à la ménopause, et qui mange moins de viande et plus de végétaux, elle vit en moyenne dans les pays développés 7 ans de plus que l'homme. Elle fait 3 femmes sur 10 font des cancers, alors que 4 hommes sur 10 font des cancers. Et toutes ces différences en faveur des femmes s'expliquent majoritairement, on ne va pas dire que c'est que ça, bien sûr, c'est toujours complexe et multifactoriel, mais par cette différence très importante d'apport en fer et de consommation de viande et de manque de consommation de végétaux. Et ça, je crois que c'est un bel exemple. Par contre, on peut démontrer, on va le voir tout à l'heure, que chez les hommes qui mangent végétariens ou qui mangent moins de viande, et on verrait que c'est proportionnel à la consommation de viande, ils peuvent gagner exactement les mêmes avantages que la femme. Bon. On a aussi un autre exemple, c'est les hommes qui donnent leur sang au centre de transfusion régulièrement ont les mêmes avantages que les femmes, au niveau réduction des risques cardiovasculaires, et etc. Alors tout ça, ça existe, hein, c'est publié, mais pourquoi les hommes ne le savent pas? Moi j'ai même suggéré que les centres de transfusion sanguine qui ont besoin de sang fassent connaître aux hommes que bah, c'est aussi un intérêt pour eux. Plus ils donnent leur sang, plus ils se protègent. Bon, ils ne veulent pas utiliser cet argument, je n'ai pas compris pourquoi, mais enfin bon, je trouve ça un peu bête. Alors, il a aussi testé l'adjonction de protecteurs, donc on revient à Denis Corpé, commandé par l'industrie de la viande qui veut continuer à vendre son truc et pouvoir dire « Ah, mais bon, maintenant, on a trouvé un moyen de faire que la viande ne donne pas de cancer. » Bon, à mon avis, c'est une lutte perdue, je vais expliquer pourquoi. Donc, il rajoute des antioxydants qui sont anti-inflammatoires dans la viande pour réduire l'effet. Bon, ça marche chez l'animal pour le moment, mais... Mon commentaire, c'est que malheureusement, le problème est que nombre d'autres facteurs sont carcinogènes dans la viande. L'excès d'acide aminé, on a parlé tout à l'heure de la leucine qui est pro-inflammatoire. Vous mettez moins de fer dans la viande, la leucine est toujours là. D'accord ? La richesse en leucine et en méthionine, l'acide arachidonique est un acide gras qui est présent que dans la viande et qui est précurseur de médiateurs très puissamment pro-inflammatoires, vasoconstricteurs, c'est-à-dire qui augmentent la tension, et pro-agrégants plaquettaires, c'est-à-dire qui font des caillots, qui donnent des accidents vasculaires cérébraux, etc., etc., ça n'enlève pas l'acide arachidonique de la viande, d'accord ? Des polluants, la viande est beaucoup plus polluée que les végétaux, hein, même pas bio, bon. Ça fait beaucoup, hein. Et puis, quand on la cuit trop, on va y revenir, il y a en plus, quand la viande est roussie ou noircie, au barbecue ou pire, on crée des produits violemment carcinogènes, on va y revenir. Et puis, les mangeurs de viande modifient complètement leur flore. Tout le monde est au courant, hein, aujourd'hui c'est partout dans la presse, ça fait la première, la couverture de beaucoup de grandes revues périodiquement, maintenant. Le ventre contient des milliards et des milliards de bactéries qui jouent un rôle très important dans notre santé. Bon. Si c'est déséquilibré, c'est facteur de surpoids, d'inflammation, de dépression immunitaire, ça contribue à des pathologies même psychiatriques. Bon, aujourd'hui, il y a une explosion de travaux qui montrent l'importance de la bonne flore. Or, si vous voulez être un bon jardinier de votre flore, il faut manger plus de végétaux, c'est des fibres qui favorisent les bons microbes profitables dans le tube digestif, et moins de viande, parce que le fer est un proliférateur, c'est un facteur de prolifération de tout microbe. Bactéries, virus, parasites, champignons et même cellules cancéreuses. Bon. Donc vous voyez le problème, c'est que le mangeur de viande, il a forcément une flore déséquilibrée et ça aussi, ça va retentir sur l'ensemble de sa santé. Chez les femmes, pour 50 grammes par jour de consommation de viande rouge, le risque de cancer du rein augmente de 36%. Oui, excusez-moi, et pour encore ajouter quelque chose, c'est que pourquoi la viande est le produit le plus inflammatoire que vous puissiez manger? C'est parce qu'il y a des bactéries dedans et des virus aussi. Vous savez que les bouchers, ils font des verrues, parce qu'il y a des papillomavirus dedans. Il y a des pays comme Israël où on ne mange pas de porc, et où ils ne font pas de cancer du col, qui était le même papillomavirus. Okay, vous avez études européennes, hein, de la Commission européenne, entre 70 et 80% des poulets sur le marché contiennent du campylobactère. Une bactérie, alors on dit c'est pas très grave, les gens mangent pas le poulet cru, donc ils vont le cuire, donc ça va tuer le campylobactère. C'est vrai, mais manque de bol, c'est que cuit, le campylobactère a toujours les antigènes et ça les détruit pas, et donc ça crée ce qu'on appelle des endotoxines,
Et quand vous mangez du poulet, d'accord, cuit, eh bien, vous avez, après le repas, une poussée dans le sang d'endotoxines très pro-inflammatoire. On a plein d'études là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens mangent tellement inflammatoire qu'on leur fait des prises de sang après le déjeuner, après le dîner, et on a une montée dans le sang de tous les marqueurs d'inflammation qui dure 3-4 heures. Donc ça veut dire que les gens déjeunent à 13 heures, à 17 heures, 18 heures, ils n'ont pas encore redescendu l'inflammation, qui vont relancer l'inflammation le soir en mangeant de la viande et d'autres choses. Et c'est qu'en fin de nuit qu'ils vont avoir un peu la paix. Ils ne vont pas être irradiés par leur propre inflammation. Bon. Alors qu'on peut très bien avoir, on va y revenir à la fin, une alimentation anti-inflammatoire. C'est d'abord stupide, quoi qu'il arrive, de manger de la viande le soir. Il vaut mieux, c'est dynamisant, on n'a pas besoin de toutes ces énergies le soir. Et si on en mange, autant la manger à midi ou même éventuellement le matin pour ceux qui peuvent. Mais bon, on va revenir après sur les conclusions pratiques de tout ça. Je vous ferai mes propositions et puis on va échanger pour avoir plus de clarté sur tout ça. Celles qui mangent donc des viandes, des charcuteries ou des viandes industrielles ont 72% en plus et on ne note pas d'effet là, des volailles et des poissons. Sur 461 550 participants, l'étude EPIC observe que ceux qui suivent au moins 3 recommandations, pas de tabac, bon, ça je pense que tout le monde a compris, il y a 10 puissance 15 radicaux libres, les radicaux libres c'est ce qui fait vieillir et qui donne toutes ces pathologies comme l'Alzheimer, le cancer et tout, 10 puissance 15, c'est 1 million de milliards de radicaux libres par bouffée de cigarettes. Bon, si on veut accélérer son vieillissement et tous ces risques de pathologies, c'est pas étonnant et on sait ce qu'il fait. Mais c'est pas tout. Il y a 4700 toxiques dans le tabac, dans la fumée de tabac, dont du polonium radioactif, du cadmium, des métaux lourds, des gaz qui sont très proches des gaz qu'ils ont été utilisés pour les chambres à gaz des nazis. Ce qui me fait dire que les gens achètent leur chambre à gaz portative hein, en achetant des cigarettes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon. Consommation d'alcool modéré, modèle méditerranéen incluant beaucoup de végétaux et peu de viande, subissent 51% de cancer de l'estomac en moins, 77% pour ceux qui sont localisés au niveau du cardia. L'étude EPIC trouve un effet protecteur d'un apport élevé en végétaux et réduit en produits carnés sur presque tous les cancers, sauf le cancer de la vessie, qui dans cette étude n'est pas significatif. Mais on va voir qu'une autre étude EPIC sur 469 339 hommes et femmes, donc ce qu'on appelle des grandes cohortes, hein, c'est presque 500 000 de personnes, donc statistiquement c'est très puissant, c'est très significatif, et c'est des études qu'on appelle béton. Vous comprenez pourquoi, parce que c'est pas sur 20 personnes, hein, c'est sur 500 000 de personnes. Il apparaît, après plus de 11 ans de suivi, qu'une augmentation pour chaque 3% de l'apport énergétique sous forme de produits carnés, d'accord, donc chaque 3%, où le risque de la cancer de la vessie augmente de 15%, hein, donc c'est en fait tous les cancers, alors que pour une augmentation de 2% de l'apport énergétique sous forme de végétaux, le risque se réduit de 23%. C'est clair, hein. Donc la leçon, vous la tirez tout seul, hein. Voilà, manger plus de végétaux et moins de viande. Ah oui, j'ai fait un truc sur effet cancer, j'ai passé assez rapidement, mais ça c'est assez surprenant. J'ai été un peu choqué quand j'ai découvert cette étude, mais bon, elle existe, il y en a d'autres qui sont venus confirmer. C'est qu'une étude réalisée en Uruguay observe que les plus gros consommateurs d'œufs ont une incidence de cancer augmentée de la bouche et du pharynx de 102%, tube digestif supérieur de 67%, colorectal de 64%, poumon de 59%, sein de 186%, prostate de 89%, tout cancer combiné de 71%. C'est assez étonnant, mais bon, malheureusement, l'œuf et le lait sont les produits les plus pollués, par exemple en perturbateurs endocriniens comme les dioxines. Ce qui pourrait expliquer ça, plus d'autres ingrédients qui sont propres surtout au jaune d'œuf, pas au blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est de l'albumine, donc ça ne pose pas tellement de problèmes. L'une des explications pourrait être donc que, voilà, il y a plus de polluants. Alors au début, j'ai eu du mal à intégrer cette étude parce que, bon, mais il y a eu d'autres études qui ont été publiées depuis et qui confirment malheureusement qu'il y a un effet négatif de la consommation excessive d'œufs dans la... Bon, et la consommation excessive, c'est ce que consomment les Français aujourd'hui, hein, qui consomment en moyenne plusieurs œufs par semaine. Dans la cohorte Adventist Health Study, Adventist c'est quoi? Vous savez, c'est une sorte de secte chrétienne. Les adventistes du septième jour,
qui suivent la Bible, et dans la Bible, ils pensent qu'on conseille de manger végétarien. Donc, on s'en fiche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des centaines de milliers de personnes en Californie du Sud qui mangent végétarien, et donc ça permet de faire des études. Ce n'est pas lié à leur religion, mais pour comparer, voilà. Donc, les consommateurs actuels de viande ont un risque de démence augmenté de 118% par rapport aux végétariens. Voilà. Donc là, c'est encore autre chose qu'on n'avait pas vu, les démences, hein, c'est principalement l'Alzheimer. Mais on sait depuis longtemps que les neurologues montrent qu'il y a du fer accumulé dans les neurones et de l'Alzheimer et du Parkinson. Et on l'a dit tout à l'heure, le fer est un catalyseur d'oxydation pro-inflammatoire. Si l'on prend en compte la durée de la consommation de viande dans le passé, il est augmenté de 199%. Rapport végétaux-viande et DMLA. La DMLA, la dégénérescence maculaire, hein, c'est la première cause de cécité, c'est la rétine qui se dégrade. Alors la cataracte, ça se répare bien chirurgicalement, bon, on peut l'éviter, mais quand la rétine est brûlée, aujourd'hui, hein, on ne sait pas faire grand-chose. Là, malheureusement, c'est plus grave. 1147 cas évolués de DMLA et 1773 témoins de la European Genetic Database sont comparés. L'obésité est associée à un risque augmenté de 44%, mais, je ne sais pas si vous le savez, l'obésité est forcément liée à de l'inflammation. C'est une des grandes percées qui a été faite sur le surpoids et l'obésité depuis quelques années. D'accord ? Encore l'inflammation. Bon. La consommation de viande rouge de 134%, et on l'a dit, hein, c'est l'aliment le plus inflammatoire qui existe. Une consommation élevée de fruits avec une réduction du risque de 48%, toujours le même schéma. Et pourtant, on a parlé là de cancer, de démence, d'asthme, de trucs complètement différents, et tous arrivent à la même conclusion, et c'est pas fini, c'est que manger plus de viande augmente les risques fortement, et que manger plus de végétaux les diminue. L'équation, elle est simple à comprendre. Alors justement, manger plus de fruits et de légumes, qu'est-ce que ça peut apporter ? La revue des études publiées indique qu'une consommation élevée et régulière de fruits et légumes est associée à une réduction des risques de surpoids. Il n'y a pas beaucoup de calories dans les fruits et légumes. C'est bourré de fibres qui retardent le passage des sucres et des graisses. C'est bourré de minéraux, de produits antioxydants, c'est antihypertenseurs, etc. De polyphénols. Pour les plantes, elles ne peuvent pas courir pour échapper aux prédateurs. Donc comment est-ce qu'elles se défendent ? Elles sécrètent des agents chimiques qu'on appelle les polyphénols. Les polyphénols sont des choses qui peuvent être toxiques pour les prédateurs. Okay. On a même des études incroyables, c'est que quand les girafes consomment des acacias, l'acacia agressé envoie un gaz qui va sur les acacias d'autour, qui se mettent à faire plein de polyphénols pour que les feuilles soient imbouffables. Vous vous rendez compte ? Bon. L'intelligence des plantes aussi. Bon. Donc, les polyphénols, c'est extrêmement intéressant. Les plantes ont inventé ça pour se défendre contre les prédateurs, mais contre les infections. Par exemple, vous avez entendu parler du resveratrol. Le resveratrol, c'est une molécule qui apparaît dans la vigne, dans le raisin, quand il est attaqué par un champignon qui s'appelle le botrytis. D'accord ? Il y en a plus dans les vins sirupeux parce que, ou les vendanges tardives, parce qu'on laisse pourrir le raisin, justement. D'accord ? Ce resveratrol est un très puissant anti-inflammatoire qui protège à peu près de toutes les pathologies dégénératives. Et c'est un défenseur donc contre une attaque parasitaire. Donc, les polyphénols ont été inventés par les plantes pour se défendre à tous les niveaux. Si elles manquent d'eau, si elles ont trop chaud, si elles ont trop froid, quel que soit le stress, la plante se défend par des polyphénols. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange les plantes ? Eh bien, on mange les polyphénols qui sont avec. Il y en a qui sont plus riches que d'autres, le cacao, la grenade, la myrtille, le thé vert. Tout ça, c'est des polyphénols. Le curcuma, avec la curcumine, tout ça, c'est des polyphénols. Le resveratrol, dont on vient de parler dans le vin rouge, tout ça, c'est des polyphénols, il y en a des milliers. D'accord ? Eh bien, on les ingère quand on ingère ces végétaux, et ils nous protègent, ils envoient les mêmes signaux dans notre système. Ils mobilisent l'immunité, ils mobilisent la réparation de l'ADN. Vous avez vu que le prix Nobel, la semaine dernière, a été donné au docteur Osumi, un japonais, qui a travaillé sur l'autophagie. Qu'est-ce que c'est que l'autophagie ? C'est la capacité de la cellule de se débarrasser de ses protéines endommagées. Si elles s'accumulent, le neurone, dans un embouteillage, ça ne marche plus. Bon. Si avec l'âge, nos neurones ne changent pas, contrairement à la peau qui se renouvelle ou la muqueuse digestive, les neurones, on les a du début de la vie jusqu'à la fin. Il y en a quelques-uns qu'on fait, mais majoritairement, les neurones, comme les cellules du cœur, ne bougent pas.
Donc elles accumulent plus de déchets que les autres. OK? Eh bien, la cellule du cœur qui accumule des déchets comme ça, des protéines endommagées, et on en fait forcément parce qu'on est exposé à des polluants, on fait des radicaux libres en consommant les calories au feu de l'oxygène, eh bien avec le vieillissement, on accumule des protéines endommagées dans ces cellules, et ça étouffe la cellule, elle ne peut plus fonctionner. D'accord ? Dans les pathologies comme Alzheimer ou de Parkinson, les cellules sont bourrées de ces protéines endommagées. D'ailleurs, on dit il y a une protéine dite tau dans l'Alzheimer qui est déformée, on appelle ça une taupathie. D'accord ? On a même montré que les protéines, quand vous mangez des aliments carbonisés, hein, ou le fond de tarte roussi, la viande trop cramée ou simplement roussie, ce sont des protéines endommagées qui ne peuvent plus être digérées, qui ne peuvent plus faire... Ça fait des pigments qui s'accumulent dans les cellules. C'est encore... Quand vous avez des taches de vieillesse, ça vient de là. D'accord ? Mais ça s'accumule dans le neurone, dans le myocarde, partout, ça on ne le voit pas. Mais ça va finir par endommager, encombrer la cellule. Et la cellule a une capacité de se défendre, c'est cette autophagie. Elle va digérer ces protéines endommagées et s'en débarrasser. D'accord ? D'où le prix Nobel qui a été donné, puisque c'est un truc très important à ce docteur japonais Osumi qui a travaillé là-dessus il y a très longtemps. Bon. Or, quand vous prenez des plantes bourrées de polyphénol, ça stimule l'autophagie. Okay. Pratiquement tous nos systèmes de défense anti-infectieux, anti-inflammatoires, anti-oxydants, de réparation de l'ADN, d'autophagie, sont stimulés par la consommation de polyphénol. Donc on a pensé pendant longtemps que ce qui protégeait dans les fruits et légumes, c'était les antioxydants, la vitamine C, la E, le bêta-carotène, ça reste vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses puissantes, comme les polyphénols, d'accord ? Et vous comprenez pourquoi le fait de manger plus de fruits et de légumes, on en nous rebâche les oreilles, et les gens, tout le monde le sait, hein, 5, selon les recommandations, c'est de 5 à 10 fruits et légumes par jour, mais c'est mal expliqué. Parce que je pense qu'on ne vous explique pas ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des mécanismes extrêmement puissants à l'œuvre. D'accord ? Et je pense que si c'était mieux expliqué, ça aurait plus d'efficacité. Ça, c'est le genre de truc qu'on devrait raconter dans les écoles aux enfants. Bon. Pourquoi ça ne fait pas partie du programme ? Moi, je veux bien qu'on apprenne la géographie, c'est utile. Mais la santé, ça me paraît basique, encore plus utile, surtout dans notre société où il y a des tas de facteurs délétères, la pollution, le stress, la malbouffe, etc. Donc, les gens qui mangent de manière régulière et élevée des fruits et légumes n'ont pas seulement une réduction du risque de surpoids, d'hypertension, mais de maladies coronariennes, hein, ce qui mène à l'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, AVC, de cancer, de cécité, à part les deux mécanismes, cataracte et DMLA, de maladies neurodégénératives, les déclins cognitifs, l'Alzheimer, la Parkinson, mais il y en a d'autres, hein, comme la démence à corps de Lewy, etc., les troubles essentiels. Je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde connaît Catherine Hepburn, hein, l'actrice. Bon, bah, si vous regardez bien ces films, les neurologues les ont regardés, elle bouge comme ça. C'est une maladie neurodégénérative qui est beaucoup plus fréquente que la Parkinson et qui touche énormément de gens. Et bien, c'est proportionnel à la quantité de viande que vous avez consommée. D'asthme, deux pathologies respiratoires obstructives, hein, n'en jetez plus, bah si, il y en a encore. Pathologie inflammatoire digestive, de polyarthrite rhumatoïde, et ce n'est pas exhaustif. Hein. Bon. On peut dire tout ce qui est lié au vieillissement, toutes les pathologies dégénératives. En suivant les cohortes de 71 910 infirmières de la Nurses Health Study, donc c'est des infirmières, hein, c'est l'école d'épidémiologie de Harvard, l'école de santé publique qui est vraiment en pointe dans le monde, qui a réussi un truc extraordinaire, c'est de mobiliser la quasi-totalité des infirmières américaines et des médecins américains dans deux cohortes, femmes pour les infirmières et hommes pour les médecins, bon, encore qu'évidemment il y a des médecins femmes et des infirmières hommes, des infirmiers, bon. Donc, en gros, ça fait des cohortes considérables qu'ils ont pu suivre pendant très longtemps et qu'ils continuent à suivre d'ailleurs, tous au départ sans maladie chronique pendant 14 ans. Donc on évacue tous les gens qui ont déjà des pathologies, ils sont mis en dehors de l'étude. On les suit pendant 14 ans, on observe 1964 pathologies cardiovasculaires, 6584 cancers, 781 décès d'autres causes chez les femmes, 1670 pathologies cardiovasculaires, 2500 cancers et 787 décès d'autres causes chez les hommes. Les plus gros consommateurs de fruits et légumes ont 12% de risque cardiovasculaire en moins. Les légumes verts à feuilles s'avèrent les plus fortement corrélés à cet effet, par exemple les épinards. Pour chaque légume vert à feuilles consommé par jour en plus, le risque cardiovasculaire est réduit de 11%,
pour les maladies cardiovasculaires, de 5% pour l'ensemble des pathologies chroniques. De tels effets peuvent s'expliquer donc par leur richesse en eau, meilleure hydratation, moins de constipation. La constipation est inflammatoire sur le tube digestif. C'est un truc stupide. Les femmes qui sont constipées font 50% de cancer du sein en plus. C'est quand même grave que nos ministères de la Santé, les campagnes de santé publique, ne renseignent, n'informent pas sur des trucs aussi simples et basiques. D'accord ? Une constipation enflamme le tube digestif, altère la barrière digestive, produit de l'inflammation, altère la flore. C'est stupide. Alors que sans laxatif, il suffit de boire plus des eaux minéralisées, de manger plus de fruits et légumes avec des fibres, de bouger plus. Tout ça suffit à réduire, à régler toute constipation et avec toutes les conséquences que ça a. Bon. Le caractère peu calorique des végétaux, la richesse en fibres solubles, tout le monde est au courant de l'impact positif des fibres, leur pauvreté en glucides rapides, leur pauvreté en graisses saturées trans en acides arachidoniques, c'est tous les acides gras inflammatoires dont on a parlé, leur pauvreté globale en protéines. Plus on mange de protéines, en fait, plus on augmente la vitesse du vieillissement. Ça facilite aussi l'accrochage de produits dits carcinogènes, hein, qui va, comme leur nom l'indique, qui favorisent le cancer, sur l'ADN, c'est-à-dire sur les gènes. Leur pauvreté en acides aminés pro-inflammatoires comme la leucine, dont on a déjà parlé, ou pro-prolifératifs, comme la méthionine. C'est un acide aminé qui en branche trop, ça nourrit le cancer. Leur pauvreté en acides aminés branchés, donc leucine, isoleucine, valine, qui entrent en compétition avec le tryptophane. Alors ça, c'est une autre histoire, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. C'est qu'on a dit, manger beaucoup de leucine, ce n'est pas très bon. D'accord, il y en a beaucoup dans la viande, hein, puisque c'est le composant majeur de la viande. Avec la valine et l'isoleucine, ces trois acides aminés qui dominent dans la viande. Or, ça a un autre effet pervers. C'est que, est-ce que vous avez entendu parler de la sérotonine ? La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui freine les pulsions, hein, qui aide à être plus détendu et à être moins dépendant, moins attiré par le sucré, moins attiré par l'alcool, par le tabac, moins à risque d'impulsivité. C'est un frein des pulsions. Si vous voulez, notre mécanisme instinctif qui est à la base du cerveau, qui va aller vers la nourriture, hein, pour survivre, il faut des trucs automatiques qui existaient chez le reptile. On appelle ça le cerveau reptilien primitif. D'accord ? Pour survivre, il faut manger. D'accord ? Donc on a une pulsion alimentaire, c'est instinctif, c'est préprogrammé, on n'a pas besoin d'apprendre. Il faut défendre son territoire pour assurer sa sécurité. On garde une certaine distance avec les autres et on se reproduit pour perpétuer l'espèce. Tout ça, c'est engrammé par le cerveau reptilien. Eh bien, il faut un accélérateur des pulsions pour bien fonctionner, pour être vivant, d'accord, pour survivre. Ça donne de la combativité. C'est la noradrénaline. C'est le neurotransmetteur qui vous réveille le matin. C'est l'accélérateur des pulsions. S'il est bas, vous êtes déprimé. D'accord ? Les gens, ils ne veulent pas se lever, ils ne sont pas combatifs, ils n'ont plus de désir, la libido disparaît, etc. Ils peuvent même perdre l'appétit, c'est la dépression. D'accord ? Si vous avez trop d'accélérateurs des pulsions parce que vous êtes stressé, ça augmente la noradrénaline, on est super vigilant, etc. Vous êtes hyperactif, vous êtes impulsif, plus vous êtes stressé, plus vous pouvez être violent, mal contrôler vos pulsions, être impulsif, être attiré par le tabac. Moi, pendant toutes mes années de consultation, je l'ai toujours vérifié, les fumeurs, les gens en surpoids, dès qu'ils sont en vacances, dès qu'ils sont déstressés, ils fument moins naturellement, ils perdent du poids, sans effort. Parce que le stress est derrière l'activation des pulsions, donc la prédation sur la bouffe, l'oralité, l'alcool, le sucre, le tabac, etc. Bon. Donc, par contre, dans une bonne machine, hein, comme une voiture, il faut un frein et un accélérateur. D'accord ? Et le frein, c'est la sérotonine. Il y a des gens qui naissent avec pas assez de sérotonine ou pour des raisons de stress qui déséquilibrent, ils ont trop d'accélérateurs, pas assez de freins, ou pour des carences nutritionnelles, il faut des vitamines B pour faire de la sérotonine, etc. Bon, non. Pour des tas de raisons, génétiques, nutritionnelles et autres, il y a des gens qui se contrôlent mal et qui sont attirés par le sucré, par la surbouffe, ils sont plus candidats au surpoids, mais il y a des tas de pathologies parce que ça favorise les accidents, hein, conduite impulsive, l'agressivité, l'attirance pour le sucré, l'excès de bouffe, l'alcool et le tabac, tout ça, c'est pas bon pour la santé. D'accord ? Donc, comment fait-on de la sérotonine ? Eh bien, on le fait grâce à un acide aminé, fabriquant des protéines, hein, les petites briquettes des protéines, qui s'appelle le tryptophane. Le tryptophane doit rentrer dans le cerveau, et c'est lui qui va être transformé en sérotonine, et ensuite en mélatonine, vous avez entendu parler de la mélatonine, pour mieux dormir. Hein, tout ça, c'est sédatif et c'est très important. La mélatonine, en plus, est un protecteur la nuit,
qui vous aide à vous réparer, c'est un puissant antioxydant. Tout ça, ça vient du tryptophane. Or, le tryptophane est l'acide aminé le plus rare dans l'alimentation. Bon. Les acides aminés, comment est-ce qu'ils rentrent dans le cerveau? Parce que pour faire de la sérotonine, il faut que le tryptophane rentre dans le cerveau. D'accord? Eh bien, ils passent par des portillons qui vont transporter, vous savez, quand dans un hôtel, il y a un tambour, on rentre un par un. Eh bien, c'est exactement comme ça, en la barrière qui protège le cerveau, qu'on appelle la barrière hématocéphalique, vous avez des tourbillons qui font rentrer des portiques qui font rentrer les acides aminés. Le portique qui fait rentrer le tryptophane, il fait rentrer plusieurs acides aminés, dont la leucine, l'isoleucine et la valine. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle une compétition. Donc, si vous mangez beaucoup de viande, il y a beaucoup de bousculades au portillon parce qu'il y a beaucoup de leucine, valine et l'isoleucine qui se proposent. Et le tryptophane ne peut pas rentrer. D'accord ? Donc, plus vous mangez de viande, plus votre sérotonine baisse, plus vous êtes agressif, plus vous êtes victime de conduites autodestructrices. Vous voyez un peu un effet pervers qu'on ne connaissait pas avant et qui est très important. Les végétariens sont naturellement moins impulsifs, moins agressifs, et ça leur permet d'avoir moins de conduites autodestructrices impulsives. Ils sont moins attirés par les dépendances. Donc ça, c'est une autre conséquence de l'excès de viande, hein, qui était jusqu'à présent pas mise en avant, mais qui est extrêmement importante, c'est que, indirectement, la viande pousse à d'autres conduites destructrices et délétères sur la santé. Bon. Il y a une autre conséquence, je ne vais pas toutes les passer parce que c'est un peu technique, mais bon. Le tryptophane est aussi dans le foie le précurseur d'une vitamine très importante qu'on appelle le nicotinamide, vitamine PP, qui est devenue la plus importante dans la prévention des maladies dégénératives et le vieillissement. Voilà. Ensuite, bon, il y a un meilleur rapport arginine sur lysine. L'arginine inhibe le passage des graisses saturées dans le sang. Bon, il y a plein d'autres avantages. C'est le précurseur d'un vasodilatateur antihypertenseur. Mais bon, globalement, des avantages majeurs de manger plus de végétaux, c'est que c'est pauvre en fer. Il y a du fer dans les lentilles, etc., mais il est très mal absorbé. D'accord ? Par contre, on verra que pour les femmes qui manquent de fer, bah justement, malheureusement, on ne peut pas trop compter sur les végétaux. Hein, donc la viande peut avoir sa place ponctuelle. On va essayer d'être le plus objectif possible, hein, dans cette affaire-là. Il ne s'agit pas de faire de l'idéologie. Moi, tout ce que je fais, hein, vous voyez la démarche, c'est je lis la littérature. Je me renseigne au maximum, hein, je fais ça depuis 35 ans. Je me suis installé qu'à mi-temps pour aller dans les congrès et lire la littérature. Et j'ai enseigné dans une vingtaine de pays. Bon, ça m'a obligé à surveiller la littérature. Et moi, je n'invente rien, ou presque. Hein, des protocoles qui sont... Je mets en relation les choses, je fais des synthèses, mais je n'invente rien. Bon. Donc, c'est la conclusion, si vous voulez, de la connaissance actuelle. Et c'est un peu triste que nos confrères médecins, on en a parmi nous. Malheureusement, ça ne fait pas partie du cursus, tout ça. Ça ne fait pas partie du cursus. Donc, il y a un vrai problème aussi politique, c'est d'injecter de la nutrition, de la psychologie, des capacités d'accompagner les gens en coaching pour aider à leur santé. Parce que pour le moment, la médecine, c'est de la guerre à la maladie. Ce n'est pas de la promotion de la santé. Bon. Et là, il y a un vrai problème, parce que qui le fait ? Bon. Les végétaux sont pauvres en sodium. Ils sont riches en potassium, en magnésium, tout ça, ça a des effets antihypertenseurs. Ils ont un effet global alcalinisant. Tout le monde sait que manger trop de viande, ça fait des résidus acides. Bon, ce n'est pas le plus important, mais c'est quand même important. Et je l'ai dit tout à l'heure, effet trophique sur la flore, c'est-à-dire que si vous ne mangez pas assez de végétaux et trop de viande, ça déséquilibre complètement la flore. Ça ne sert à rien de prendre des probiotiques si c'est pour continuer à manger de la viande et pas assez de fibres, parce qu'au bout de quelques semaines, ils auront disparu. Et si vous voulez entretenir une bonne flore, ce qui compte, c'est durablement. C'est d'être un bon jardinier de votre flore, je répète le terme, c'est-à-dire manger plus de végétaux et moins de viande. La richesse en micro-organismes, hein, parce qu'il n'y a pas seulement des légumes lactofermentés comme la choucroute, d'accord ? Aujourd'hui, on en trouve plus dans les boutiques bio, mais vous avez, dans les légumes non lactofermentés, beaucoup de micro-organismes positifs pour la flore. Dans une feuille d'épinard, il y a jusqu'à 800 espèces de micro-organismes. OK ? Donc, une grande partie ne sont pas détruits par l'acide chlorhydrique de l'estomac. Et donc, manger des végétaux, c'est bon pour la flore à de multiples titres. On peut remarquer la présence inverse de nombreux pathogènes, source de zoonoses, un zoonose, c'est des pathologies qui se transmettent de l'animal à l'homme, dans les viandes, Escherichia coli, Clostridium difficile, Campylobacter, j'en ai parlé tout à l'heure dans le poulet,
des adénovirus oncogènes, ça veut dire qu'ils donnent le cancer dans le poulet, la salmonelle dans les œufs, le papillomavirus dans le porc, etc., etc., etc. Donc, dans les fruits et légumes, il y a la moins grande concentration de toxiques, en particulier liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses, perturbateurs endocriniens, je pense que vous avez entendu parler des perturbateurs endocriniens, les phtalates, le bisphénola, qui sont dans les emballages alimentaires, mais il y en a partout, et ils se concentrent dans ce qui est gras. Et donc, il y a très peu de graisse dans les végétaux, il y a beaucoup plus de graisse dans l'animal, dans le poisson, même malheureusement, les poissons gras, aujourd'hui, qu'on recommandait, et je les ai recommandés pendant des années, je les recommande de moins en moins, et je pense qu'aujourd'hui, le thon, les poissons prédateurs qui les accumulent, le requin, l'espadon, ne sont plus comestibles. D'accord ? Ils ne sont plus comestibles. Ils devraient être interdits sur le marché, en fait. D'accord ? Même la dorade, qui est assez prédatrice, elle est très concentrée en polluants, perturbateurs endocriniens, mercure. Donc, si vous voulez, le rapport bénéfice-risque n'est plus bon. Les agences de santé disent aujourd'hui aux femmes enceintes, ne mangez plus ces poissons-là, mais le reste de la population n'a pas besoin d'être intoxiquée non plus. Leur richesse en antioxydants, en principes actifs anti-inflammatoires, en molécules détoxifiantes, c'est une autre notion. Bon, on peut aider à détoxifier, hein, parce que malheureusement, comme vous le savez, on est supplémenté par des polluants dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on mange, même si on mange bio, il y en a encore un peu, dans les vêtements, dans les lieux de travail, dans les transports, bon, dans les cosmétiques, on rajoute là-dessus les médicaments. Est-ce que vous avez vu l'étude du professeur Saint-Jean, hein, qui est professeur de gérontologie, hein, c'est-à-dire les personnes âgées, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris? Il a pris tous les dossiers de la sécurité sociale des gens de plus de 80 ans, hein, parce que maintenant la sécurité sociale est obligée d'ouvrir ses archives alors qu'avant c'était inaccessible. Et vous savez combien de médicaments consomme en moyenne une personne de 80 ans? Plus de 10 médicaments par jour. C'est à tomber le cul par terre, excusez-moi, parce que une des règles de base de la pharmacologie, c'est qu'au-delà de 3 médicaments, les interactions sont incontrôlables. Donc c'est un truc aberrant auquel on était parvenu peu à peu, parce qu'on donne trop de médicaments, parce qu'un médicament donne des effets secondaires, donc on va donner un autre médicament pour enlever les effets secondaires, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ainsi de suite, c'est la même chose sur le diabète, sur... bon, il y a plein de choses. Je vous cite simplement une étude, c'est qui a été faite à Taïwan chez les bouddhistes. Vous savez que les bouddhistes, normalement, ils sont végétariens. Mais comme les adventistes, il y en a qui sont plus ou moins... ils suivent plus ou moins les règles, d'accord? Donc ils ont pu distinguer chez les bouddhistes de Taïwan certains qui se permettaient de manger chaque semaine un peu de viande ou un peu plus, etc. Bon. Eh bien, grâce à cette étude, ceux qui mangeaient de la viande ne mangeaient que de 3 à 8% de la viande que consomment les Américains. C'est vous dire que ce n'était pas beaucoup. Bon. Eh bien, c'est 3 à 8% de viande à l'américaine par rapport à ceux qui mangeaient vraiment végétalien. Il faisait plus de diabète et d'autres pathologies dégénératives. Dans toutes les études qu'on a, c'est simple, c'est que proportionnellement à la quantité de viande que vous mangez, hein, il y a une autre étude des Adventistes du 7e jour, où on regarde ceux qui mangent de la viande 0 fois par semaine, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ceux qui mangent des œufs ou pas, des produits laitiers ou pas, etc. Plus vous consommez de protéines animales, plus vous faites de surpoids, de diabète, d'Alzheimer, de pathologie cardiovasculaire, de cancer. Donc toutes ces études vont dans le même sens, China Study, l'étude d'Okinawa, bon, le modèle Okinawa où ils mangent, bon, le modèle crétois, vous faites la synthèse de tout, tout va dans le même sens. Hein. Or, le message n'est pas clair aujourd'hui. On ne vous dit pas, qu'est-ce qu'on devrait vous dire? Bon, de mon point de vue, je vais vous dire qu'est-ce que j'en tire et ensuite nous discutons pour voir un petit peu comment vous voyez ça de votre côté. Bien. Donc, ce que j'en conclue... Moi, je ne suis pas dans l'idéologie. Sur le plan éthique, le bien-être animal, je comprends très bien qu'on dise « je ne mange plus de viande du tout », c'est un mouvement qui grandit et c'est très bien. Bon. Mais là, je ne suis pas sur ce point-là, d'accord ? Bien sûr que j'ai envie que les animaux ne vivent pas dans des camps de concentration, soient maltraités. Bon. Si on mange de la viande, autant manger de la viande d'animaux qui n'ont pas été maltraités comme ça. C'est des vrais camps de concentration, ce n'est pas acceptable, mais bon. Je mets ça entre parenthèses, d'accord ? Je regarde que le côté nutrithérapie, hein, santé et nutrition. Bon. Je l'ai dit, il y a un avantage de la viande. Ce n'est pas du tout l'argument marketing qu'on vous dit, c'est la meilleure protéine, c'est faux. C'est faux.
Pourquoi? Parce que les viandes sont riches en protéines et complètes, ça c'est vrai. C'est-à-dire, vous savez qu'il faut, y a plusieurs acides aminés qu'on ne peut pas synthétiser comme des vitamines. Ça c'est vrai, d'accord? Elles sont pratiquement toutes dans la viande, ça c'est vrai. Mais il suffit d'associer deux végétaux complexes, un légume sec et une céréale complète, d'accord, pour avoir tous les acides aminés qu'il faut. Et vous avez même deux végétaux qui sont complets, par exemple le soja et le quinoa. D'accord, des civilisations se sont construites pendant des millénaires là-dessus. Par exemple, en Afrique du Nord, couscous pois chiche. D'accord, en Amérique du Sud, la galette de maïs avec les haricots rouges. En Asie, le riz soja. D'accord. Et les pauvres, ils n'avaient pas de viande du tout, ou ils tuaient le poulet une fois par mois pour un mariage ou un truc comme ça, enfin bon, pour une fête. Mais ce sont des millénaires où ils sont vécus de l'association, surtout sur les végétaux. Et comme on l'a dit, le gorille, le taureau, le cheval, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent que des herbes et ils sont très forts. Bon. Donc c'est faux. On n'a pas besoin de viande pour les protéines. Et deuxièmement, ce n'est pas les bonnes protéines. On l'a dit, trop de leucine, pro-inflammatoire, ça bloque la sérotonine, ça rend agressif, ça favorise les conduites dangereuses. Plus la présence du fer, d'acide arachidonique, etc., tout ce qu'il y a, plus de microbes, endotoxines, polluants. Bon, au total, le rapport bénéfice-risque de la viande n'est pas bon. Bon, même organique ou bio. Parce que bio, organique, il y a toujours la leucine, il y a toujours l'acide arachidonique, il y a toujours le fer. Voilà. Bon. Donc, au total, l'argument marketing pour vendre de la viande est faux. Par contre, on met en avant aussi le contenu en fer de la viande. Et ça, malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a du fer dans les végétaux. Les épinards, c'est faux. Hein. L'auteur de Popeye s'était trompé de ligne sur la table. Donc, oubliez le fer des épinards. Mais il y a du fer dans les lentilles, un peu dans le soja, etc. Bon. Mais le fer végétal est très mal absorbé. Donc, une femme qui a des règles abondantes, qui est enceinte, il faut du fer aussi pour la croissance. Hein. Quand on fait une poussée de 15 cm de croissance à l'adolescence, il faut faire du muscle, du globule rouge, etc. L'enfant en forte croissance, c'est quelques catégories chez qui, ponctuellement, hein, on n'est pas en forte croissance toute la vie, on est un an pour l'ado ou un an et demi, 2-3 ans pour le petit enfant, on n'est pas enceinte toute la vie normalement, hein. Bon. Donc 9 mois, là, le rapport bénéfice-risque, il est correct. Évidemment, il vaut mieux prendre de la viande de qualité, organique, hein, pas pesticidée, antibiothérapée et tout. Hein. Vous savez qu'il y a 1000 tonnes d'antibiotiques en plus, hein, je n'ai pas dit ça, qui sont données dans l'alimentation des aliments en France, ce qui est totalement inacceptable. Ça favorise aussi les bactéries antibiorésistantes qui ont tué 13 600 personnes, hein, statistique officielle du ministère de la Santé. En 2015, 13 600 personnes sont décédées à cause d'antibiothérapie de bactéries antibiorésistantes qui sont dues à l'abus d'antibiotiques et chez l'homme et chez l'animal. Bon. Donc, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup, il faut se calmer sur la viande. Par contre, il y a quelques catégories, donc je répète, la femme enceinte, le petit enfant en forte croissance, l'ado qui prend 15 cm dans l'année, et les femmes carencées en fer, anémiées, bon, plutôt que de donner les compléments en fer qui sont très dangereux, qui vont faire flamber tout le tube digestif et créer un stress inflammatoire terrible, il vaut mieux manger de la viande, c'est moins risqué que de prendre des compléments qui sont très dangereux. Bon. Donc, par ailleurs, pour une personne qui n'a pas envie affectivement ou pour des raisons de spécisme, pour ne pas être spéciste, comme dit Aymeric Caron, hein, il y a un très beau livre là-dessus sur l'antispécisme, penser que l'homme est supérieur aux espèces animales et dire qu'à partir de là, on fait n'importe quoi aux animaux, non, on est d'accord. En dehors de ça, il y a d'autres risques liés à la viande. Il y a des risques d'épidémie. Hein, pourquoi? Parce que les porcs, en particulier les volailles, sont des réservoirs de virus qui mutent. Vous avez vu la grippe aviaire, la grippe porcine. Pourquoi? Parce qu'on tasse. Il y a une usine de volailles en Chine qui a 10 millions de volailles. C'est du délire. Bon, vous avez l'usine à porc à côté. Même en France, on a des élevages à des milliers d'animaux, des dizaines de milliers d'animaux, des centaines de milliers d'animaux. Ces animaux sont maltraités, ils vivent dans des résidus comme ça, ils sont mal nourris, ils sont stressés, il y en a qui se cannibalisent les uns les autres, enfin c'est un truc horrible.
D'accord, c'est des camps de concentration. Ils sont immunodéprimés et on leur balance 1000 tonnes d'antibiotiques dans l'alimentation chaque année. Et ben, le résultat, c'est qu'ils font, ils hébergent des bactéries antibiorésistantes et ils ont des virus qui mutent, virus de la grippe aviaire, virus de la grippe porcine, et de temps en temps, ces mutations donnent des virus qui sont captables par l'homme, ce qu'on appelle une zoonose, et c'est comme ça qu'on a fait la grippe espagnole qui a tué, paraît-il, 80 millions de personnes après la guerre de 14-18. Ça nous pend en nez chaque année. Chaque année, vous avez le SARS, la grippe aviaire, la grippe porcine, là, il y a un nouveau coronavirus. Bon, en ce moment, on est en train de fabriquer des pandémies. On est à risque majeur. Les infectiologues réunis à Boston ont dit qu'on allait vers les nouvelles pestes. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques ne marchent plus, de moins en moins. Il y a des mutations. Les bactéries se reproduisent toutes les 20 minutes et ça sélectionne les résistantes. D'accord ? Il y a des bactéries qu'on ne peut plus traiter. Et il y a des virus mutants qui peuvent être dévastateurs, comme ceux de la grippe espagnole. Bon. Donc ça, si on veut le maîtriser, il faut arrêter les camps de concentration pour animaux. Donc c'est un autre enjeu que tout ce que je viens de dire, mais qui est très important et qui peut être encore plus dévastateur que les pathologies chroniques qu'on a dit tout à l'heure. Bon. Ensuite, il y a, pour finir, l'enjeu écologique. Il est clair que nous sommes menacés sur le plan écologique, entre le réchauffement climatique, il y a énormément de risques qui s'accumulent, okay, les crises alimentaires, etc. Or, les élevages, en particulier de bovins, relarguent énormément de gaz à effet de serre, comme le méthane, qui sont beaucoup plus puissants que le CO2. Ça contribue pour une part très importante du réchauffement climatique. On n'en a pas besoin, surtout pour faire des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Bon. Deuxièmement, pour nourrir ces bestiaux en usine ou en camp de concentration plutôt, on cultive des OGM de soja et de maïs en déforestant le Brésil, l'Argentine, etc., etc. Bon, la déforestation aggrave le réchauffement climatique et ces OGM sont arrosés de Roundup, le glyphosate de Monsanto, que vous connaissez, qui a été déclaré carcinogène. Or, les Européens, et vous, je pense encore plus, si vous êtes ici, vous n'êtes pas partisans des OGM. Or, vous en consommez. Pourquoi ? Parce qu'on n'en veut pas dans nos produits, mais 90% des bestiaux qui sont dans les camps de concentration ne bouffent que ça. 90% de leur nourriture, c'est des OGM arrosés de glyphosate. D'accord ? C'est totalement inadmissible. Ça, il n'y a que l'Autriche qui a exigé l'étiquetage des viandes nourries aux OGM. Donc, c'est quelque chose qui est secret et qui a un impact sur la santé, qui n'est pas acceptable non plus. Voilà. Ensuite, 1 kg de bœuf, il faut 11 kg de soja pour le faire, ce qui est totalement stupide puisque le soja est aussi complet que le bœuf, et donc on nourrit 11 fois moins de personnes avec 1 kg de bœuf qu'avec 1 kg de soja. C'est totalement stupide. Et on va être 9 milliards, et si tout le monde veut bouffer de la viande, comme c'est la tendance en Chine et en Inde, on s'en sortira pas, c'est impossible. D'accord ? C'est impossible. Donc il faut vraiment se raisonner que le coût de la viande est trop important sur le plan écologique. J'ajouterais qu'un kilo de bœuf, ça coûte 12 500 litres d'eau, ce qu'on appelle le coût hydrique, et que l'eau, c'est aussi crucial comme l'air. C'est des trucs fondamentaux qui sont en train de s'altérer. Souriez, vous êtes gazé. Parce que dans les villes et ailleurs, partout même à la campagne, l'air devient de plus en plus irrespirable. Je ne sais pas si vous avez vu aussi un rapport extrêmement important historiquement de l'OMS de la semaine dernière, qui dit que 92% de la population terrestre respire de l'air malsain qui est trop pollué, qui est largement au-dessus des normes. Or, les normes, elles sont 3-4 fois au-dessus de ce que les experts souhaiteraient. Alors, vous vous rendez compte ? Bon. Je crois que c'était l'hiver 2013 à Paris, les Parisiens respiraient un air qui représentait 8 fumeurs dans une pièce de 20 mètres cubes. Bon. Si vous êtes intelligent, vous achetez du bio pour bouffer, vous n'achetez pas de cosmétiques industriels pourris avec du parabène, vous faites des choix. Mais respirer, comment vous faites ? D'accord ? On ne va pas se mettre tous avec des masques à gaz. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. Là, il faut sauver notre peau, il faut absolument faire pression sur le gouvernement pour avoir un air et une eau saine, c'est le minimum. Or, l'eau du robinet aussi, je le signale, elle est pasteurisée,
chloré. Le chlore, c'est un gaz de combat de 14-18. Ça tue les poissons de l'aquarium, c'est pas bon pour vous non plus, d'accord? C'est un pro-oxydant carcinogène, c'est un faible carcinogène du cancer de la vessie, bon, etc. Ça contient de l'aluminium qui est pro-oxydant, des pesticides, maintenant plus de médicaments que de pesticides, parce que, voilà, les gens urinent leurs médicaments, sur les hôpitaux déversent leurs déchets médicamenteux, ça repart dans les nappes phréatiques, les usines de traitement d'eau ne sont pas faites pour enlever les médicaments, bon, ça devient insupportable. Bon, aujourd'hui, on est là pour sauver notre peau, il faut assainir l'air, l'eau, il y a des priorités politiques, et c'est le moment d'en parler puisqu'on est dans les sciences politiques. Quelle que soit la personne élue, ça va être catastrophique, bon, c'est clair. Donc c'est à nous de faire pression pour qu'il y ait un programme minimum, la santé c'est le départ, s'il n'y a plus de santé, il n'y a plus rien. Les défauts de santé retentissent sur l'économie de manière gravissime. Il faut savoir quelles sont les priorités. Bon, je vous remercie de votre attention et...